Tout le monde ici, Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure de Resident Evil 8 Village Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ha ha! Ha. Vous cherchez quelque chose en particulier? Je sais pas, hein. Qu'est-ce que t'as à vendre en particulier? Excellent choix. Ça devrait suffire. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Ah, l'eau, il n'y a plus d'eau. Ça vient là. Il faut. Il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois comme je lui ai demandé. Je les ai endormis avec un liquide et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans leur bide. Il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lichen. Alors je l'ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté maman. Elle veut des enveloppes plus fortes, mais moi j'en trouve aucune. Il me faut plus de villageois. Et voilà. Bouge pas, toi! Bouge pas!
Je sais comment faire. Je suis mal pris. Dégueulasse. Jusqu'au bout. Ça a coûté cher de balles, là, non? Comment quelque chose a coûté pas à ramasser? Rien. Thank you.
La sortie est un peu plus loin. Chez lui, ça. La Miranda m'a donné un bocal de roses. Comme tout le monde est méchant avec moi, je pensais qu'on me laisserait de côté. Heisenberg a dit qu'on ne devait être tous là pour la cérémonie. Et lieu, et que c'était pour ça qu'on avait tous un bout de rose. Maman avait l'air de s'en ficher, par contre. Maman a dit que Rose était une enveloppe. Avec une enveloppe, elle va pouvoir récupérer sa vraie fille, même si elle est morte depuis longtemps. Et si elle y arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je suis pas vrai... pas son vrai enfant. Est-ce qu'elle va m'abandonner? Non, je veux pas. Non, ok. La clé. Oh, bien, mais la clé du fœtus. Donc elle est rendue avec la clé à 6. Oh, la clé. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les 4 bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Oh, quelque chose aussi, mais j'arrive pas à voir si... Je vais voir parce que...
Apparemment, tu pouvais ouvrir une porte là que j'ai oublié. J'ai pas la balle.
Ah, God, yes. Oh non. Shit. Pas vraiment ça que je voulais faire. La Miranda m'a donné une montagne. Maintenant je vais faire des tas et des tas d'expériences avec Cadou. C'est mon laboratoire secret, rien qu'à moi. Je fais 3 expériences avec Cadou aujourd'hui, mais le résultat a été catastrophique. J'ai introduit le Cadou dans un cobaye et après je lui ai injecté du sang de loup dans la colonne vertébrale avec une aiguille. Il s'est alors mis à gigoter dans tous les sens. Il a tué mon assistant. J'ai pas pu le retenir, alors je l'ai mis en cage. Maintenant, il faut que je lui donne à manger. Thank you.
Nice, tranquille un petit peu. Par ici, this way. Toutes mes excuses. J'ai de nouveaux articles pour vous, Monsieur Winters. Ah, je vois que vous avez l'œil. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Petits ruisseaux font de grandes rivières, comme on dit. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Je m'avais dit d'aller au cimetière. Le cimetière est là.
Bonne chance.
D'aujourd'hui que ce sympathique marchand nous rend visite, il me donne toujours des vieux journaux. Je sais que Miranda les interdit, mais la nouvelle du monde extérieur sont toujours les si fascinants. D'ailleurs, quelque chose a piqué ma curiosité dans le dernier. Un article à propos d'une société qui fabrique des médicaments. Je me souviens plus de son nom, mais son logo m'a semblé familier. Il y avait le même symbole sur le calice des géants, et je suis persuadé de l'avoir vu aussi sur les murs de la grotte. Ce symbole m'a toujours fait penser à un parapluie, mais comment se fait-il qu'il soit devenu l'emblème d'une société étrangère? Je me demande si ça n'a pas un rapport avec cet homme qui a séjourné ici il y a longtemps. Ben, je me fais sûrement des idées. Alice! Balle, si t'as tout pris mes balles. Ça.
Comment est-ce que j'ouvre ça? Je comprends. Ah!
gamin. Je viens de comprendre ce qu'il fallait faire, putain. Ah, faut monter les deux. Ah, de gaspiller la balle. Donc c'était tout pour l'aventure de Resident Evil 8 Village Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!